Ce matin, face à la presse, ce n'est pas un exercice facile, hein, c'est une épreuve, et c'est très bien débrouillé. Et évidemment, il faudra encore peut-être la former sur certains points, mais ça va se faire automatiquement, hein, je pense, au fil des semaines, puisqu'elle va avoir une expérience très chargée. Miss Saint-Paul, en 2000, quand elle avait 16 ans, c'est là que je l'ai rencontrée à Miss Saint-Paul. Et je lui ai dit, ah, Mélanie, je pense que vous pourriez faire Miss Réunion. Donc elle est venue 2 ans après. Je pense qu'elle était un peu trop jeune, comme elle l'a dit. C'était un peu trop tôt. Et souvent, je dis aux jeunes filles, 18 ans, c'est peut-être pas forcément l'âge idéal. Mais finalement, elle a attendu, elle est revenue une deuxième fois, ce qui n'est absolument pas interdit. Et voilà, elle a acquis de l'expérience et elle a gagné. Bravo à elle. D'après la société Miss France qui était présente hier soir, elle a des atouts. Mais tant qu'on n'a pas vu les 29 autres candidates, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer le 16 décembre.